Bonjour. Normalement, tout est bon. Ça devrait fonctionner. Il y a un petit décalage. Je suis en train de regarder, parce qu'en fait, je teste ma nouvelle connexion. Donc, on va voir si ça fonctionne. Le jeu se lance. Ok, attendez. Il se lance tout seul. Ce qui est bien en soi. Je coupe le son. Voilà, mais c'est fluide, c'est cool. Bon, j'espère que ça va. J'ai essayé de faire de l'incrustation sur du blanc derrière, mais bon. Il s'avère que je suis un peu blanc, apparemment. Donc, du coup, c'est plus compliqué que je le pensais. On verra ça plus tard. Ok. Bon, bah, on est parti, je pense. Bon, la caméra est un peu au-dessus là aujourd'hui, mais normalement c'est pas au-dessus. Hein. Oui, c'est vrai que si je reviens sur ça, ça fait toujours ça. On est à la fin. Et si vous doutez, je pense qu'on va finir aujourd'hui. De Tunic, je n'ai pas dit, on joue à un jeu, ça s'appelle Tunic, depuis maintenant trop longtemps. On est à la fin. Il nous reste une porte à ouvrir, et cette porte est assez compliquée à ouvrir. Alors. La luminosité est très basse dans ce jeu, donc. Modification de luminosité. Ok. Ouais, là, il y a beaucoup. C'est trop très très lumineux. Donc, normalement, la porte, elle est quelque part là. Voilà. Et on s'était arrêté là parce qu'on avait regardé le manuel et que dans le manuel, c'est ça qui nous disait. Alors il y avait la version 100% que j'avais pas compris. Je croyais que c'était 1090, mais non, c'est 100%. On avait commencé à faire des trucs et après on s'est arrêté. Mais pour la grande porte, c'est ça. Donc c'est toutes les pages. On avait déjà vérifié, bah regardez par exemple la page 12, on va aller à la page 12. Et on peut voir une sorte de petit rond, un petit carré, qui signifie peut-être le début. Voilà. Donc on avait fait pas mal de trucs en plus. Je vais vous montrer. Pour pouvoir faire en sorte que ce soit simple à comprendre, on avait fait un petit dessin. Et je l'avais ensuite partagé, parce que la dernière fois c'était ça, je l'avais partagé pour qu'on m'aide sur Discord. Chose que, bien entendu, personne ne m'a aidé. Lol. Lol. Donc je vous montre. Là vous avez le petit dessin. Le petit dessin en fait il est assez simple, hein. C'est pas très compliqué à comprendre. C'est toutes les pages par... Voilà, c'est toutes les pages, donc le 12, peut-être zoomer, peut-être pour pouvoir que ce soit plus compris en cible. Voilà, donc toutes les pages, comme c'est écrit dans le carnet. Donc la page 12, c'est le carré. Et ensuite, voilà, on a une sorte de petit chemin qui se délimite comme ça. Et du coup, il y a des manques. Donc la page 24, la page 55, la page 9, 40 et 18. Sachant qu'en général, c'est... une division par deux, c'est-à-dire que tout est symétrique l'un de l'un comme de l'autre. Normalement, ça devrait être pas très compliqué à trouver. Donc, on va faire par exemple un 24 et 42 parce que celle-ci, elle est importante pour nous. Je vais remettre ça ici pour qu'on s'en rappelle. Donc, 24 et 42. Ça, c'est 24, hein. Je dis pas de bêtises. Ah, la manette, elle a décidé de die. Ok, attendez. Pourquoi? Pourquoi manette? Je sais que t'as des problèmes, mais... On peut revenir en mode de manette, s'il vous plaît. Où est la souris dans ce jeu? La souris n'est pas là. Et en fait, je veux pas la commande au clavier.
la commande à la manette, si c'est possible. Donc j'ai déconnecté, j'ai rien... Je sais pas pourquoi il est passé en mode 2. Genre, je suis joueur 2. Alors, 24 et 40, je crois que c'est ça, 22, 24. Donc là, par exemple, 24, c'est compliqué. Alors, est-ce que c'était vraiment 24? What's a great question? C'était 27 et 42. Donc 27. J'ai pas vérifié si j'avais bien fait les carrés et tout. On l'a fait ensemble. Et 27, il y a quand même ça. Hein. Pourquoi je l'ai pas fait sur mon dessin? Et 42. Ouais, 42, il y a ce truc-là qui nous aide pas plus que ça. Donc voilà, là on se focalise sur ce qui est en jaune. Je vais revenir sur mon dessin. Pourquoi j'ai mis 24 à cet endroit-là? Je comprends pas. J'ai mal lu. Attendez, je regarde mon retour pour être sûr que je me suis bien trompé. Parce qu'il faut toujours être sûr qu'on se trompe. Oui, j'ai mis 24 à la place de 42. 50, c'est bon. 3, j'ai mis 3. 3, c'est pas 3, c'est 31. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on va corriger. Ah, mais le 1, il est perdu. Oh. Et du coup, ça, c'est 27. 27, 42, c'est bon. Alors, on va refaire les trucs. 48, c'est bon. 11, 2, 6, 52, 42, 50. 4, 21, 27, 15, 22, 55, 31, 33, 46, 28, 9, 40, 18, 34, 16, 12, 39, 44. Si, c'est bon. Pour le reste, c'est bon. Donc 27, on a un truc. On a une croix, je crois, en 27. Oui, on a la croix ici, en jaune. Donc on va faire cette croix. Alors, c'est possible qu'il y ait eu des modifications sur ce petit écrit. Alors, c'est une croix. Donc on va la faire partir là. Excusez-moi. Laissez-moi tranquille, monsieur l'ordinateur. Mais... Je peux même pas faire une ligne. Je m'embête. Voilà. Je veux juste que tu sois de la même taille que ça, pour qu'on puisse la voir. Merci. Voilà. J'imagine que ça va ensemble. Et pas besoin d'être très propre, hein. Pour cela. Voilà. Donc, pour moi, c'est le code, hein. Et 42, du coup. Et 50. On va aller voir 42 et 50. Donc 42, j'ai l'impression qu'on va rien avoir. Et 50 non plus. On avait cherché déjà ce côté-là. Ensuite, c'est 55. Donc 55, on n'a pas la page de dernière de couverture, quoi. On peut imaginer 9. Celle-ci, normalement, on l'a. Ah oui. Bon, alors, à part ça, en jaune, on a des carrés. Ouais, on a le point d'interrogation qui revient souvent. Et c'est pour ça, c'était Raving Bell qui m'avait dit, vaut mieux que tu notes le point d'interrogation. Ok, 9, donc on a fait. Et c'était le 9 le point d'interrogation, donc du coup, faut que je fasse un double. Il n'y a pas que 40. Il y a deux points d'interrogation, du coup.
31. La TST est déjà à 55. Bah, logiquement, il y a ça au milieu, quoi. Ça pourrait aiguiller, hein, parce que ça, c'est le point de départ de tout. Il y a le 32 qui nous manque ou pas? Non. On va essayer le 18 d'abord. Ah, beaucoup de jaune quand même. Il y a beaucoup de doré là dans le coin. Bon, là il est censé y avoir écrit un truc, mais que je n'ai pas envie de détruire. Ah oui, c'est ça. C'est cette ligne-là. Et je l'ai pas mis. Là, on est page 18 et je l'ai pas mis. Incroyable. On va faire ça. Hop. Hop. Trop bizarre que j'ai pas mis celle-ci. Voilà. Ça commence comme ça. Ça tourne là. Comme ça, c'est mieux. C'est un peu ça, hein? Ah oui, c'est, oui, faut que je fasse un peu le genre. On a fait un truc. Je rajoute. Voilà, j'en rajoute deux. Il veut pas m'aider. Bon, ça ressemble un peu à ça. Hein. Il veut pas être sympa avec moi. Trop petit. Ok. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, c'est censé ressembler à ça. Du coup, 40, on a dit, il y a un point d'interrogation. Oui, il y a d'autres points d'interrogation là-haut, là. Ça pourrait être le signe, hein, parce que ça fait ça et ça monte. Ça pourrait être ça. Bon, il y a un point d'interrogation aussi ici. Donc ça veut dire qu'on a deux points d'interrogation. Il manque 31, qui, normalement 31. Et du coup, la page de ça. Donc normalement, là on a trouvé notre petit arrêt. C'est là où on s'arrête, entre guillemets. Et ça se sépare en deux branches. Fait au pif, hein. Famille fait au pif. Voilà. Ça ressemble à ça. Et du coup, 55, bah 55, on l'a pas, comme on a vu. On va revérifier histoire 2 et après, on revérifie tous les trucs pour pouvoir être sûr de tout. Donc, 55, on l'a pas. Et le dernier, c'était quoi? 9, 9 et 40. Donc, 9, alors 40, il y a le point d'interrogation. J'ai toujours pas trouvé où était le 8. Par contre, on pourrait peut-être aller se balader du côté du 1. Peut-être que ça nous aiguille.
Ouais. Mais j'ai pas envie de faire un aller-retour. Et on avait dit 18, je crois. 9. 9. C'est ça? 9, 10, 9, 50, 40. C'est ça. 55 plutôt. 9, 55, 40. C'est les trois qui nous manquent. En interrogation. Mais il y a la forme aussi qui nous intéresse, c'est-à-dire la fin. Ah là 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 là. Ça sent l'enchaînement de choses sans savoir réellement si c'est A few moments later. apparemment on a été arrêté. On va voir si ça refonctionne. Mais en fait c'est marrant parce que j'étais toujours en live et c'est juste il y a eu un bug, on aurait dit. Le jeu est censé être là, hein, derrière, en fond. Voilà. Mais il n'y avait juste pas le son parce qu'ils savent pas faire des gestions de fenêtres apparemment, les jeux. Est-ce que tu peux le voir OBS, le jeu? Oui? Et du coup si je change, voilà, merci. Donc j'étais en train de montrer justement ça. J'avais fait ces suppositions-là en fait pour le sens, parce qu'on part du début, donc on dirait on tourne à droite. À gauche, pardon. Oh, donc à gauche, du coup il faudrait monter après, à droite, en haut, à gauche. Là on a trouvé ici, du coup c'est tout droit apparemment. Donc tout en haut, à droite, en bas, à droite, en haut. Ah oui, non, là c'est un peu particulier parce que là il y a un problème ici. Comment qu'on fait ça? Là, ce serait on monte, on descend, en fait. C'est ça que j'ai mis? Parce que normalement, c'est ça, c'est on monte, on descend. Et là, c'est un peu bizarre. C'est on monte, on descend. 50, on l'a trouvé, je crois, juste avant. Est-ce que je suis en live déjà? Parce que c'est une grande question. Mais normalement, oui. Mais après, il y a mon téléphone qui ne fonctionne pas non plus. Oui, c'est bon. Alors, c'est juste que les robots sont pas encore arrivés. On attend les robots. Donc, c'est intéressant, mais bon. On a tout ce chemin-là. Donc, on va peut-être réécrire ça en revérifiant le tout pour être sûr que c'est le bon sens, quoi. Je pense que c'est pas mal de faire ça. Bon, je vais mettre de la musique parce que je sais qu'il n'y aura pas de musique et qu'il n'y en a pas là maintenant. La musique de travail, on va dire. Tu vois, Chill with me, je sais pas quoi, comment on dit. Alors, attendez, je vais trouver un truc qui est à propos. Ah, il est où la musique de Tunic là? J'ai récupéré la musique de Tunic. Elle est où? Trop bizarre. Ah bon, attendez. Je vais pas mettre No Man's Sky. Je vais mettre. Ah si, c'est ça. Ok. Petite musique de concentration. Ok. Donc on va essayer de reprendre tout ça. Vu que c'est moi qui l'ai écrit, je peux recopier normalement. Hop, on va quitter Discord. Et on va retomber sur. Voilà, ici. Et je vais l'écrire là. Si c'est possible. Ok. Merci, merci Discord de ne pas avoir les mêmes compréhensions que les autres. Les autres choses que nous utilisons. Donc arrow left, hein, c'est à gauche. On va vérifier de toute façon au fur et à mesure. Alors je crois que c'était qu'on avait utilisé, c'était quoi? Comme ouais, on a tout.
Alors je vérifie, hein, je cherche les flèches qui vont pouvoir m'être lisibles. Parce qu'il me faut quand même des flèches un peu épaisses, histoire de... Bon, c'est pas grave. Oui, celle-ci est bien en fait. Ok, donc arrow left. On va faire des séparations par deux. Là, on avait un point d'exclamation, donc on va le laisser. On va remonter. On vérifiera ensuite. Hein. Droite. On peut faire des copier-coller, mais bon. Flemme. Voilà. Je sais pas si c'est lisible pour vous. Oui, ça a l'air d'être plus ou moins lisible. Oui, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Droite. Haut. Là, j'avais mis fin. Ce qui est sans doute pas la fin. Donc, ça, c'était une partie, et l'autre partie, c'était... En fait, ça dépend de quel sens on part, si on part à droite ou à gauche. Et après, je me suis dit, ah mais il faut peut-être inverser parce que ça n'a rien à voir avec le. On part à droite ou à gauche. On part d'un côté et on continue. Et ça fonctionne. Donc on verra. Donc là, j'ai un point d'exclamation. Pourquoi ça me gratte l'œil là? Non, attends, c'était gauche avant. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Peut-être que je fais des bêtises. Bon, heureusement qu'on va vérifier. Bon, on est bien. On va vérifier maintenant. Alors, du coup, on part du milieu, de 12. Et oui, si on part de 12, on va à 16, c'est à gauche. Ensuite, on doit monter à 34. Donc, gauche, haut, oui. À 46, on tourne à droite. On monte à 28. Peut-être qu'il faudrait que je note pour pouvoir bien me rappeler quels sont les trucs. Ouais, non. C'est un peu trop demandé, non? Je sais pas. Du coup. Peut-être que j'ai fait un carré pour le début. Bim. Bim, bim, bim. Alors, donc. 16, c'est bon. 34, c'est bon. 46, c'est bon. 28, c'est bon. On en a fait 4. Ensuite, c'est à gauche, 22. Haut, 15. Là, on a fait... Donc là, c'est un haut. J'avais noté.
c'est bon. Ce haut, il est bon. C'est 27. Ça sépare ça. Et là, non, en fait, il y a un haut et après un droite. Pourquoi j'ai mis... Voilà. Et c'est ça. C'est gauche, haut, droite, haut, gauche, haut. Ah, il y a un autre haut, là, du coup. Et après, à droite. Ouais. Parce que, c'est, en fait, c'est ça. Quand il y a les doubles, je crois qu'on n'est jamais vraiment tombé dessus. Bah non, les doubles, il était déjà là. Parce qu'en fait, il y a le truc du 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça tourne à gauche. Ça monte à 15. Ça monte à 27. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, ça tourne à 48 à droite. Et ensuite, ça doit descendre. Pourquoi j'ai mis... Ah, ça descend. Et ensuite, ça tourne à droite. Et là, on a le problème de... Je pense que ça, c'est la, soit la fin, ou... Et je vais mettre... Ou ça redescend. Donc, voilà. Et en fait, le truc, c'est que c'est ça qu'il faut se dire. C'est que, est-ce que ça continue dans la suite? Sachant qu'on n'a pas 50... On a, attends, 50, on l'a trouvé, non? Attendez, on va revenir au jeu. Quand on l'a trouvé, non? Ah non, il n'y a rien à 50. Et on n'a pas regardé 42, quoi. Comment ça? Il y a des trucs qu'on n'a pas vérifié. 42, c'est où? Ah oui, il n'y a pas non plus. Bon, on peut se dire que c'est la flèche, hein. Voilà, ça descend vers le bas. Non, parce que moi, je commence à fatiguer hein, de ces énigmes, en fait. Ah là 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 là. Attendez, je vais essayer de récupérer, voilà. Donc, 50-42, on ne sait pas. Qu'est-ce que je pourrais noter pour je ne sais pas. Je suis en train de regarder les emojis, il y en a des génies. Bon, on peut faire ça. Pour les je ne sais pas, on va faire ça. Ding, ding, ding. Non mais attends, pourquoi il a pris une petit peu différente? Moi je veux celle-ci. Ah, merci. Je l'avais vu où, la toile d'araignée, là? Bon, je vous l'annonce hein, tout de suite, hein. Je pense qu'on va aller regarder la soluce si ça prend trop de temps. C'est juste on fait un peu de recherche et on essaye un peu, et après, si ça dure trop longtemps, on s'arrache. Hein. Pas le temps avec le jeu, hein. Voilà. Ah, mais ça ressemble à rien. Mm-hmm. L'autre, peut-être? Ça ressemble encore moins à rien. Oh là là. On va mettre un fantôme. Voilà, le fantôme, c'est qu'il n'y a rien. Ok. Ça n'a aucun sens. Donc 50-42, nick. D'ailleurs, 55 aussi, on n'a pas la page. Donc en fait, il faudrait mettre fantôme aussi. Après, c'est possible qu'il y ait des vides. Moi, je pense que 55, il n'y a rien, vraiment. Ça me paraît logique. 9, et, je pense qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Par contre, il peut y avoir un truc pour 40... Parce que c'est la liaison, quoi. Quoique. Quoique. Ça pourrait faire 40, 9, 55. Mais je pense que de ce côté-là, il n'y a rien, en fait. Faut vraiment partir sur la gauche et tu fais tout le chemin vers le point. Ce qui est en soi pas trop, pas trop illogique parce que du coup, tu devines que 42. Et ça fait une ligne droite. Pas trop illogique. On va faire ça.
On va partir sur. Bon, ça, mon idée était bien parce que c'est le début. Sauf qu'il y a le principe du je monte, je descends. Et du coup, faut, à 50, il faut tourner à droite, logiquement. J'ai fermé mon truc pour les typos. Je suis heureux. Voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Pic. Parce que si on monte à 4, on descend à 2, ce qui ferait ce dessin-là. Et ensuite, le problème, c'est que si je monte, je descends, en vrai, c'est plus. En fait, on descend à 2, on monte à 4, on descend à 2 et on tourne à droite. On monte, voilà, et c'est bon. Et après, on tourne à droite et on monte. Logiquement. Et ensuite à droite. Et ensuite en bas. Et là, on descend encore. Parce qu'il y a déjà, on a déjà utilisé l'option de 50. Et ensuite, on tourne à gauche. Et là, normalement, c'est la fin. Est-ce que j'ai un losange? Oui, j'ai un losange. Voilà. Du coup, on va pas prendre la solution de droite, hein. Je crois qu'on va dire nick. Et on va copier cette solution-là. Et on va faire un truc, c'est-à-dire, on va faire une version avec fin. Et une version sans fin. Ce qui revient à ça. Donc 2, 2, 2, et voilà. On essaye? Sachant que la fin, à mon avis, elle n'est pas au milieu. Donc on va devoir faire sans doute la complexité du deuxième. Alors je vais essayer peut-être de plus vous le montrer parce que je vois que vous avez pas de tout. Voilà. La musique qui s'énerve. Donc on va s'arrêter tout de suite. Voilà, merci. Un peu plus calmant avec le jeu. Ok. Alors rappelez-vous, j'ai des difficultés avec la manette, même si je l'avais nettoyée. Donc il faut que je fasse au clavier. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas le. Attendez. Comment je vais faire? Ah oui, il faut que je déplace la fenêtre pour que je puisse lire en même temps. Alors excusez, pardonnez-moi. Ah, mais c'est loin de. En fait, le mieux que j'ai à faire, je pense que c'est d'avoir un projecteur, donc le projecteur de OBS. On va voir si ça casse pas l'ordi. Voilà, nick. Projecteur fenêtré. Comme ça, j'ai l'ensemble de ce que je vous montre. J'enlève le mode studio. Ok. Le faire. Activer, voilà, désactiver l'aperçu. Et on va revenir au jeu. Parce que le truc, c'est que je peux pas avoir non plus l'aperçu et le jeu, ce qui est un problème en soi. Mais ça serait bien. Non. Il a dit non. L'ordinateur, il a dit non. Ok. Alors, vous êtes prêts? Gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, bas, droite, haut, bas, droite, haut, bas, droite, bas, gauche. It seems that it's not working. Ah, mais j'étais en train de marcher encore, again. La manette ne veut pas que je gagne. Je continue. À rentrer ce code de l'enfer. Ah, je suis descendu. Je suis descendu. Est-ce qu'il faudrait pas juste que j'appuie sur A, genre? Voilà, on va faire ça. Ah, je lis encore moins. Parce que j'arrive pas à lire, du coup. Oh, je fais n'importe quoi. C'est trop long. C'est trop long comme code pour moi.
On n'a pas vérifié les pages. Peut-être qu'il faut revérifier les pages. Bon, on va revérifier les pages du coup. Alors, on va commencer par la 12. Alors, non, ça c'est le. Ça c'est la 2. Oui, ça c'est la 2. La 2, c'est bon. Est-ce qu'il y a la 3 quelque part sur notre truc? J'ai pas l'impression. Ok. Par contre, il y a la 4. Et la 4, on a vu. Elle est là. C'est juste en dessous. 2 et 4, c'est bon. Il y a la 5. Non. Par contre, il y a la 6. Et ça, c'est bon. Donc, du coup, la 6, est-ce que c'est bien au bon endroit, la 6? C'est où déjà? C'est où? Ah oui, c'est juste à côté du. Ok. La 6, c'est bon. C'est au-dessus du 50. 8. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. 9, il y a, mais on ne sait pas. Il y a plein de problèmes qui sont des. Points d'exclamation. Interrogation plutôt. Ok. Ça, on l'a noté. 9, c'est bon. 10, est-ce qu'on a 10 quelque part? Attendez, je reviens à 10. Pourquoi j'ai sauté deux pages là? On a 10 dans ce truc. Non. Par contre, on a 11 qui est au-dessus du 21 et on l'a fait magnifiquement. C'est un beau dessin. 12, je suis pas sûr qu'on ait 12. Ah si, c'est le carré, c'est le bas. Je suis en train de me dire, c'est peut-être juste un joystick en fait. C'est quel enfer. Donc ce serait gauche, droite, haut, bas, enfin, comme Konami quoi. 13. Parce que le point central est vide. Il faudrait qu'on aille voir. Même si possible que ce soit un joystick vu de haut du coup. Oh, quel enfer. Parce que en fait, je me dis ça parce que les pages les plus sont toujours à l'extrémité des choses et je suis en train de me dire c'est bizarre que là tout d'un coup on descende avec 12. Ok, continue. Donc là il y a le dessin derrière. Ça c'est 15. On a exactement fait le dessin et on a 16 aussi et on a fait exactement le même dessin. C'est bon. Voilà. Ensuite, on arrive à page 17. Page 17, il n'y a rien. Par contre, page 18, il y a ça. Chose qu'on n'avait pas fait, apparemment. Qu'on a fait. Page 19, non. Il n'y a pas de page 19, non. Page 20, non plus. Page 21. Non plus. Si, page 21, il y a un truc. Pourquoi on a trouvé? Ah oui, c'est ça. On s'est dit, c'est ça. Le dessin, c'est les flèches. Ce qui est potentiellement pas faux. Hein. Après, c'est vrai que page du coup, page 21, ça se pose comme question, mais normalement, c'est ça va bien avec notre truc. Page 22, je crois qu'il n'y a rien. Ah si, il y a le dessin peut-être derrière. Ah ouais, page 22. Est-ce qu'il y avait page 22? Attendez, je vérifie. Oui, il y a page 22. Voilà. Donc on a fait exactement le dessin qui est la surimpression qui s'est foirée. C'est-à-dire commencer à gauche. Faire le. Bah là, on peut le voir. Hein. C'est commencer à gauche.
On voit le au-dessus de Porte dans les montagnes, il y a le trek qui descend à côté de Fée. Ensuite, ça fait une sorte de slalom avec celui d'en dessous, le 22-22. Et on continue avec voilà, un slalom. Et on a fait exactement ça comme dessin. Donc, normalement, ça devrait être bon. 22, c'est bon. 23, il n'y en a pas, je crois. Nick, il n'y a pas. 25, queued. 26, je crois qu'il n'y a pas. Voilà, 27, on l'a, c'est celui-là. Donc on l'a mis. 28, on l'a mis, c'est celui-ci. Doré, là, le 28, il est à côté du 16 et à côté du point d'exclamation. Après, c'est possible que ce soit juste l'encodage du code hein, que j'ai du mal en. 30, il n'y avait pas, je crois. Ouais, il n'y a pas 30. Il n'y a pas non plus 29. Donc 31, c'est le normalement notre finale. Tout simplement. À moins que ce soit ça, là. Ok, c'était pas notre finale. Okidoki. Okidoki. Donc c'est toujours les trucs les moins obvious, hein. Donc là, en fait, ça descend. Ah ouais. Du coup, ça veut dire que ton 40 et 40, il doit y être aussi. Il n'y avait pas un truc avec les nuages où on l'avait noté, je sais plus. C'est peut-être 40 que j'ai pas noté. Hein. Donc du coup, ça nous rajoute un truc là. C'est pas la fin. Lol. Ça descend. Donc du coup, ça descend et 55, c'est la fin, hein, logiquement. Quel enfer. Sauvegarde au cas où. Ouais, merci. On va revenir au jeu. Ok. 40. 32, il y avait ou pas? Je sais même plus. Je sais plus. Est-ce qu'il y a 32? Je ne sais pas, je ne vois pas. Je ne vois pas. Hein. Alors, le dessin dans les nuages, c'est 33. Et on l'a mis quelque part. Oui, c'est juste à côté du 31. Ok. Là, il y a le dessin de l'entièreté de la map qui fait ça. 34, du coup, alors c'est où que c'est que c'est? En fait, je vois pas bien sur les choses. Mais attends, 34, j'ai un truc. Mais Nick, il n'y a pas le chiffre. Ah si, 34, c'est tout en bas à droite. À gauche. Ok. 35, y a rien. 36, bah, y a rien. Y a rien. 37, 38, y a rien. 39. Ah, 39, il y a ça. Hein. Il y a la bordure. Est-ce qu'il y a 39? Même pas. Même pas.
Et pourtant, attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc de rapport d'impression? Parce que ça serait logique d'avoir un problème de rapport d'impression que c'est pas la bonne page. Parce qu'on n'a pas 40. Et j'ai pas envie d'y aller. Parce que je suis sûr que le truc entouré, c'est à la 8. Et j'ai toujours essayé de rentrer, j'y arrivais pas. Ah, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie. 41, il n'y a pas. Donc 39, 39, ça serait sympa si c'était le 39, hein. 41, il y a pot. Et je viens de voir qu'il y a une flèche là. Ok. Quarante-deux. Je sais pas pourquoi je suis allé tout le temps là, moi, 42 là. On a 40 en fait, hein. 40 et c'est tout. 9. Et 55 qui nous manque. Là, il n'y avait rien. 44, est-ce qu'il y avait 44? Parce que là, il y a encore un dessin. Là. En surimpression, on le voit bien. Là. 46, c'est pareil, là, il y a un truc, là. Après, logiquement, c'est 49-55. Logiquement. Donc, on va revenir à 40. Voir s'il y a des enchaînements qu'on peut faire avec la 9. Ouais. 9. Qu'est-ce qu'il faudrait se déplacer du coup? Est-ce que pour le 9, il faudrait se déplacer? Ah oui, il y a les points d'exclamation. Donc, on peut dire nick. Et 55, il n'y a pas la page. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire l'entièreté du truc? Tout simplement, je vais écrire la suite et essayer d'imaginer que c'est ça la suite, et puis voilà. Donc, on va se dire que je remets la musique. On va se dire que justement, donc là on était à 31. Donc à 31, normalement ça descend. Ça descend. Forcément à 40, ça va tourner à gauche. Normalement à 9, ça monte. Et du coup, ça monte et on s'arrête à 55. Donc le losange est à 55 normalement. Donc on va rechecker le losange à 55, mais à 55 il n'y a pas. On n'a pas la page. Mais on a besoin de la page. Donc on va voir. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse ça. Il y a eu du people qui a follow. Qui a follow back pendant ces 2 semaines. Donc, merci Bobinette Chera. Merci Waltz. Merci Zèbre. Et je crois qu'on va arriver au bon compte. Merci Totoxo. Merci Anard de l'espace. Merci Psycho. Merci Nelly. Oui, mais Nelly, c'était pour le raid, donc c'est bon. Merci Winnie l'ourson. Et là, normalement, on arrive pile au compte de Twitch. Et on est parti. Je pense qu'on va essayer de se faire cette entrée de l'enfer. Et on va essayer de le faire tranquillement.
Alors. Ah mais je suis même pas devant la porte. Loul! Mais pourquoi tu marches tout le temps? Arrête de marcher. Bon, je réessaye une fois parce que je l'ai fait 15 fois, mais... Tunique, tu m'énerves. Ah mais si, attends, il y a 50 et 42, mais attends, c'est les fantômes là, 50 et 42. On va rechecker 50 et 42. Ça aussi, on a inventé. Ah oui, mais c'est écrit... Oh, 42, c'est pas ça. Hein. Là, c'est écrit, ça doit être à gauche ou à droite, on va regarder le dessin, mais... Voilà, donc du coup ça ressemble à ça, une sorte de pince à droite. On va aller du côté du joystick. Il doit expliquer tourner à droite, tourner à gauche. Je voulais pas essayer de comprendre cette langue. Hein. Oh, j'ai pas envie. Pff, 50. Bon, et c'est là où moi j'en peux plus. Hein. Moi je suis fatigué de ce jeu, j'en peux plus. Voilà, 50, c'est la dépression. Voilà, donc. It's my mood. Enfin, c'est pas vraiment mon mood, mais voilà. J'aime bien le dessin. Bon. On va chercher la solution. Je suis désolé les gens, mais... Il y avait double son, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Donc porte dans les montagnes. Porte dans les montagnes. Tunique. Quoi? Ah oui, parce que c'est un... Ah, c'est un labyrinthe. Donc, du coup, en fait, ok. Faut le voir comme l'aiguillage du bug, enfin du bug du truc à l'extérieur qu'on avait testé là, quand on avait fait un debug mode là. Et en fait, faut comprendre que dans la page... On commence au point. Donc en fait, tout déplacement, ça commence à partir de haut, gauche, et ensuite c'est l'enchaînement. Donc on va voir si juste si je rajoute gauche, haut, ça suffit. Mais je pense qu'il y aura du déplacement en plus. Haut, bas, 6. Voilà. Nick. Nick. Je veux juste voir si ça, si je rajoute juste mon truc, ça suffit. Et si ça ne rajoute pas à ça. Bah non, en fait, j'ai pas envie. Mais normalement, c'est juste ça, quoi, en fait.
Bon. Ok, c'est pas ça. Hein. Donc du coup, nique-moi totalement. Je vais revenir sur la soluce et je vais voir quel est le problème. Je mets le son. Hein. Hop. Donc haut gauche. Ça c'est bon le début. Hein. Haut gauche, c'est bon. Haut gauche bas, pourquoi? Oh non! C'est tout le dessin là? Non mais vous êtes sérieux? On finit le jeu. Je suis désolé, on va finir le jeu très rapidement. J'en peux plus. Je ne vais même pas essayer de l'écrire. En fait, le truc c'est qu'il faut suivre tous les modulations du truc. Donc en fait, non. J'ai envie de dire non. Non. Non, mais tellement pas en fait. C'est... Pourquoi le jeu? Pourquoi le jeu? Je vais l'écrire, mais je... Oh, quel enfer. Quel enfer. Donc, haut gauche, bas gauche. Quel enfer. C'est ça, hein? Haut gauche, bas gauche, nique de ouf. Mais c'est incroyable. Pourquoi? Pourquoi tant de complexité? En plus, comment je vais pouvoir me repérer dans dans le truc? C'est écrit à la main, quoi. En fait, je vais pas tout réécrire. Je suis désolé, mais c'est pas normal de faire ça, en fait. Je vous montre à quoi ça ressemble, parce que c'est pas possible, en fait. Je vous montre à côté à quoi ça ressemble. J'ai pas le time de faire ça, en fait. Comment c'est possible? Regardez ça. Attends, pourquoi il me le met en noir? Enfin, j'ai fait un copier-coller, hein, pourtant. On va passer une heure dessus. Quel enfer! Quel enfer! Bon, apparemment, il a décidé de le mettre en noir. C'est très très long. On va séparer par deux. Hein. C'est juste pour que ce soit plus facile à rentrer, parce que c'est pas possible en fait. Quel enfer. Ça n'en finit jamais. En plus, le pire, c'est que j'avais la bonne réponse. Sauf que non, il faut toujours que ce soit plus compliqué, au cas où on n'a pas compris que il fallait que ce soit compliqué ce jeu. Mais s'il te plaît, quoi. Ah, je vais me débarrasser. Alors, haut gauche, c'est bon. On va barrer. Haut gauche, c'est bon. Bas gauche, c'est bon. Haut gauche, c'est bon. Bas gauche. Je sais plus où j'en suis. LOL! Je vais faire un truc. Je vais faire un truc stylisé pour faire genre. C'est où? C'est où que c'est? C'est là-haut? Non, ça, on voit pas, bien sûr. Il n'y a rien qui aide. Il n'y a rien qui aide. Ça me déprime. Je vais aller aux toilettes. Je reviens. On va finir ce jeu. Ça a duré quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Enfin, quelques secondes, plus des minutes. Hein. Deal with me. Voilà.
Il y a une petite araignée qui se balade. À toutes. A few minutes later. Ok, bonjour. Je vais laisser la cam comme ça. On va faire comme ça. Pour l'instant, je vais enlever la pause juste. Histoire qu'on avance quand même dans cette histoire. Ça m'épuise. Ça m'épuise parce qu'en fait, c'est du temps rajouté pour moi, ce passage-là, en fait. Pour moi, c'est totalement du temps rajouté. Je cherche le projecteur, mais je le trouve pas, en fait. Ah, merci. Pour que je puisse voir où se finit le truc, ok. Du coup, j'ai essayé de barrer ce truc, mais je n'y arrive point. Donc, je pense que c'est un peu ça le problème. Pour me dire juste qu'on a fait cela. C'est pas trop grave. Mais normalement, je devrais pouvoir le trouver, c'est ça qui est bizarre. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Bon, bah écoutez, on va faire sans. Quand je pense à tout ce qui reste là, il y en a tellement. A few inches later. Bon, normalement on est re en live. Je sais pas ce qui se passe. Ça coupe alors que je suis connecté. En Ethernet en plus. Et on est à la fin. Et j'aimerais bien finir. Est-ce que je suis in line? You know what I mean? Alors ils disent que j'ai un manque de... ok, si tu veux. Le jeu est au fond. Normalement, il est censé être là. Voilà, merci. Voilà, c'est bon? Ok, merci. On était à peu près à là. Sauf que, vous vous souvenez? On était en train de faire des choses pour vérifier si notre code était bon. Il faut que je vérifie si la connexion est bonne parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe du côté de Twitch là. En plus, le pire, c'est que je suis en direct tout le temps. Il me dit, je suis en direct, pas de problème. Si je vois pas le retour, nique-moi, quoi. Bon, je mets toujours pas la caméra pour l'instant. Vous avez bien entendu, je suis en train de vérifier tout. Donc, au gauche, bas gauche. Au gauche, bas gauche. Au droite. Alors. Haut. Et après, droite. Donc, on va inverser ça. Ensuite, haut droite, encore. Mais essaye pas de faire des couleurs en OBS, hein, je te vois. Hein. Tu t'amuses à faire des couleurs, mais... Au gauche. Bon, j'ai enlevé ça, haut droite. Comment c'est fatigant. Bas droite. Ah, d'accord. Ok. J'ai supprimé après, hein. Je précise comme ça. Ah, merci. Donc, bas droite. Je vais prendre celui-ci et je vais enlever le gauche. Je vais mettre le droit.
deux de temps, ce truc. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Haut droite, bas droite, haut gauche, haut gauche. Ok, on en prend ici deux. Ah non, ça c'est haut droite, d'ailleurs. Haut gauche, c'est celui-ci, fois deux. Haut droite. Gauche. Bas gauche. Bas gauche. Est-ce qu'on a déjà utilisé le bas gauche? Haut gauche, bas gauche, oui, il est là. Ok. Je vais addicter en même temps. Vous imaginez là, je sais pas combien de trucs ça fait, mais c'est énorme. Fatigué quoi. Il faut un jeu un peu calme après. On est tous posés. Ça serait cool. Attendez, je vous épargne un peu les bruits. Ok, donc on continue. Bas gauche, haut droit. Haut droit, c'est celui-ci. Oh oh. Ah! Intéressant. Oh oh. Gauche haut. Donc là, on est là normalement, haut haut. On est au milieu, à deux là. À moins que ce soit 27. C'est possible aussi. J'ai pas envie de savoir en fait. Gauche haut. Dites-moi si je me trompe entre gauche et droite. Hein. Droite bas. Droite, bas. Droite, bas, encore. Droite, haut. Droite, bas. Ouais, non, non, on redescend. Gauche, bas. Vous imaginez quand même que ce jeu s'est transformé en ça. Je suis un peu choqué. Droite haut.
Droite ou... Est-ce qu'on a un droite ou quelque part? Là. Droite, droite. Ça, je crois qu'on l'a pas. Bas droite. Je crois qu'on l'a pas non plus. On a bras droit. Ouais. Bas droite ici. Voilà. Normalement, on est censé avoir toutes les combinaisons à un moment, hein, mais faut les trouver aussi. Haut droite. Et là. Bas droite encore. Haut droite, again. J'aurais dû faire un copier-coller des deux. Purée. Droite bas. Gauche bas. Deux fois. Et si je misclique, c'est compliqué. Voilà, merci. Encore un autre. Ok. Donc là, on a toute la première colonne. Normalement, c'est bon. On va la vérifier après. On fait la deuxième colonne. Il y en a moins. On va tout déplacer et on va tout enlever. Droite bas, du coup, ça commence par ça. Non, mais j'essaie de récupérer le truc là. C'est quelque part ici. Voilà. Là. Je peux utiliser ce truc? Non? Il veut pas. On lui est tout sauf le dernier. Voilà. Droite bas encore. Gauche gauche, là on l'a vu juste avant. Gauche gauche. On n'a pas de gauche gauche. On n'a pas deux fois gauche. On a deux fois droite, mais on n'a pas deux fois gauche. Bas droite. Ça on l'a vu juste avant, je crois. Hop. Ici. Bas gauche. Il est là. Il est là. Merci. J'ai des habitudes de copier-coller avec la souris, c'est compliqué. Haut droite. Ok, désolé pour le... Là c'est un peu ASMR, ASMR souris clavier. Hein. Bas droite. D'ailleurs il faudrait que je vérifie aussi les VOD de... pour le son, parce que vu qu'on a déplacé le stream, c'est compliqué. Haut droite. La gestion du son c'est toujours complexe. Hein. Pourquoi tu passes en rouge OBS? Je te vois. Hein. Y'a rien, y'a aucune perte là. C'est clairement pas de mon côté. Attention, ASMR bouteille. Bon, je vais vous montrer ma tête pendant cette période dure. Hop, hop, hop,
Voilà. C'est toujours moi qui essaye de faire les choses. Au cas où vous vous posez la question. Du coup. Droite bas. On était à droite bas. Donc c'est là. Allez. Bas gauche. Et en bas gauche ici. Au droit ici. Au gauche. Je crois qu'on en avait un juste pas très loin. Ah non, ils sont loin. Et au gauche. Ok. On arrive à la fin. Hein. On arrive à la fin. Je vais sauter à la ligne celui-là. Je vais mettre les hauts gauche en dessous. Voilà, merci. Et je vais mettre bas gauche tout de suite. Au droit, ensuite. Droite haut. Droite haut. Droite haut. Droite haut. Droite haut ici. Purée, quand on va s'amuser à insérer tout ça, ça va être l'amusement. Hein. Grand amusement. Grand amusement. Droite haut. Gauche haut. Et faut qu'on vérifie tout. Et oui. J'étais toujours là-bas. Voilà, ici. Merci. Ok, on vérifie. Haut, gauche, bas, gauche, haut, gauche, bas, gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, bas, droite, haut, gauche, haut, droit, haut, gauche, bas, gauche, haut, droit, haut, gauche, haut, droite, bas, haut, droite, haut, droite, bas, gauche, bas, droite, haut, droite, droite, ok, bas droite, haut droite, bas droite, haut droite, droite bas, gauche bas, gauche bas, droite bas, droite bas, gauche gauche, bas droite, bas gauche, bas droite, haut droite, bas droite, haut droite, droite bas, bas gauche, haut gauche, haut bas gauche, donc oui du coup haut gauche, haut droite, bas droite haut. Et gauche, haut. Ok. Bon, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Je vais mettre ça à un petit côté. Genre, de côté loin de ma vie. Et je vais mettre tout en rouge, histoire qu'on puisse bien avoir les différences. Bim, bim. Hop. Au revoir. On va tout copier ici. On sélectionne ça, on enlève. On va se mettre en dessous. Voilà. Tout est en ligne. On sélectionne tout. On va mettre ça en rouge cette fois-ci. Histoire qu'on le voit bien. Ok. Ça, c'est bon. Et maintenant, on homogénise un peu le truc de façon à ce que ce soit lisible et pas trop complexe, si c'est possible. Non,
mais déjà, est-ce que ce serait pas par 4 qu'il faudrait les faire, quoi? Oui, on va faire ça. Parce que bon, pour que ce soit lisible, il faut que ce soit lisible et activable vite, quoi. On va faire des espacements. Histoire de que je puisse bien lire. Parce que ça, c'est énormément trop de choses à mettre en place, quoi. Faut que ce soit accessible, quoi, parce que sinon, moi, je vais pas y arriver, hein. Je suis déjà en train de m'emmêler les pinceaux dans ma tête. C'est compliqué. Compliqué pour pas grand-chose. Là, il faut que je mette un espace. Là, j'ai mis deux espaces. Ok, ça, c'est bon. Ok. Ça c'est bon. Comment on va faire? Il me faut un espacement. On va espacer ça. Non, plus. C'était quoi le auto 14? 18. Peut-être même plus 21. Histoire que ce soit plus facile. Voilà. Je vais vous mettre ça sur un fond tout à fait agréable à lire, hein, bien entendu. En fait, ce qui serait intéressant, ce serait de changer les couleurs aussi de fond par rapport à là où on en est. Hein. Parce que compliqué dans sa nature, hein, le truc. L'inverse de rouge, c'est. Un truc qui soit lisible surtout, parce qu'en fait, il faudrait que ce soit du vert, mais ça va être dégueu là. Hein. Non. Faire sortir des trucs. Non, juste ça. Non, mais il a tout pris. Nick. Juste le truc que j'ai pris là. Déjà que ça prend 15 ans, j'essaie juste de pouvoir le comprendre vite. S'il vous plaît, merci. Ah, donc du coup, on ne voit plus. Ah oui, parce qu'il y a le fond. Ah, lol. Alors attendez, le fond. Par contre, on va le mettre avec le vert en fait. Voilà. Et le vert va être au-dessus et puis voilà quoi. Voilà. C'est moche de ouf de votre côté. J'ai l'impression. Est-ce que c'est lisible? Je sais pas. J'ai pas l'impression. On va mettre un truc un peu mieux peut-être. Bleu, ça va être lisible, non, pour vous. Ah ouais, non, il y a l'opacité et tout, alors ça va être compliqué. Même pour vous, ça va être complexe. Quoi que ce soit dans les couleurs proches. Attends, voilà, comme ça devrait être bon. À peu près. On va faire un truc très simple, c'est-à-dire de faire une couleur. Un jaune, un noir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais chier, toi? Je vais bloquer ça, juste pour pas que ça bouge. S'il te plaît, aide-moi. C'est juste pour que ce soit lisible vite, si c'est possible. Parce que j'ai pas de bon retour de mon fichier, quoi. On va faire un truc encore mieux, on va enlever le rouge autour, hein, parce que on stresse. Non, je veux rien en fait. Ah, merci. Est-ce que pour vous ça a l'air lisible?
Ça a l'air. Ça a l'air, c'est pas incroyable, mais c'est déjà bien. Ok, donc on va prendre tout maintenant et on va tout déplacer de façon à ce que ce soit la réponse. On va mettre là juste à côté. Ok, donc maintenant je vais tout faire pour que ce soit avec le projecteur de OBS, histoire que je puisse voir le truc. Projecteur fenêtre aperçu, voilà, merci. Ok, je vais couper le son, ça va être sans doute dur. Je vais faire un peu un effet de fondu, regardez, hop, comme ça. Hop. Et on revient au jeu. Bon, c'est la fin. Petite gorgée d'eau. Et c'est parti. Oh. Le rouge n'est pas suffisamment marqué. Il faut que je mette une deuxième couleur. On revient sur la musique. Je vais mettre du bleu. Je mets du bleu. Il y a un problème sur les autres. Ouais. Parce qu'en fait, c'est bien, hein, mais. C'est bien ce que j'ai fait. Sauf que pour la deuxième ligne, c'est complexe. Est-ce que le bleu, ça marche? Ouais, un petit violet comme ça, c'est pas mal. On fait un peu corporate, quoi. Parce que, voilà, il faut que ce soit lisible. Et j'ai du mal à voir les pointes. Ok, là, normalement, ça devrait être bon. Attention, fading. Ah, attendez. Fading. Voilà. On revient au jeu. J'ai la projection. Le jeu, c'est bon. Alors, vous êtes prêts? Oh, purée! Chen. Ah, on va faire ça en plus. Oh! Dave! J'en peux plus de ce truc! Oh là là! Faut qu'on y aille calmement. Hein. Bon bah c'est reparti. J'en peux plus. Oh là 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 là. On va arrêter le jeu, mais tellement vite après.
Oh là là. Il y a eu un problème quelque part. Je sais pas où, mais il y a eu un problème quelque part. Non, attendez, parce que je vais essayer de m'approcher. Venez avec moi. Holy shit, c'était long! La porte est ouverte! Allez, on se casse, ça y est, le jeu est fini! Merci d'avoir été parmi nous! Je sauvegarde ce truc, hein. Je vais le donner à tout le monde que je connais qui joue à ce jeu. Voilà. C'est bien. Ok, on a ouvert la porte. Et maintenant, on va se faire taper, c'est ça, l'histoire? Attendez, je remarque que vous n'avez pas forcément le son très très fort au final. On va changer ça. À la fin, bien sûr. Mais au moins qu'on savoure un peu à la fin. Y a un problème ou... Non, si c'est bon. Ouais. Ah, la dernière page. What's the last page? C'est la couverture. Y a des concept artistes et tout. Ah. Bah merci, merci, hein. Chers joueurs, joueuses, vous avez parcouru un sacré long chemin, n'est-ce pas? Vous avez sûrement dû trouver moult secrets. Peut-être qu'un heureux hasard vous a mené jusqu'à une certaine salle des trophées cachés. Et peut-être même avez-vous libéré toutes les fées. Nous espérons que vous êtes bien amusés, mais il vous reste au moins une chose à faire. Si cette page est votre dernière, vous devriez rendre visite à une certaine personne afin de partager votre sagesse. Du fond de notre cœur, merci d'avoir joué. Conservez cette lettre, vous ne savez pas quand elle sera utile, mais ne pas jeter ni manger ce document. Ouais, bah, il faut trouver une flèche. Faut trouver qui. Avec qui je partage ça? On n'a même pas la couverture de fin. Avec qui qu'il faut que je partage ça? Je vais relire. Peut-être que j'ai pas compris. Et du coup, c'est pas ma dernière page en fait, hein. Parce qu'il me manque la page de couverture en arrière. Where is it? Faut que j'aille taper la personne? La dame? En plus? Non, me dis pas que c'est pas vrai.
C'est avec qui qu'il faut que je partage ça? Et vous? Non, mais faut vraiment que j'aille la taper. C'est pas ma dernière page en plus. Nick. Where is the couverture? Pourquoi c'est pas la dernière page de couverture? La quatrième page de couverture, elle est pas là. Hein. Il se passe quoi? Bon, regardons l'instruction, parce que c'était quelle page déjà? Je ne sais plus. C'est quelque part par là, normalement. On a fait l'itinéraire doré. Partagez votre sagesse. Vous allez pouvoir lancer un croix et traverser l'itinéraire doré. Bah, c'est ce qu'on a fait! Faut que j'aille taper la dadame. Oh là là. Where is the quatrième page de couverture? Je vais chercher directement. La solution, je sais pas où est la quatrième. On a fait tout le tour du monde là. Il y a un moment où faut se calmer. Ouais, mais pas. Couverture. Ouais, ok, merci. La dernière page, c'est à 55. Les faits, Nick, je le fais pas. Une fois toutes les pages du manuel, vous pourrez débloquer la bonne fin de Tunique. Oh, faut faire toutes les faits? Non, mais vous êtes sérieux? Is that serious? Non, mais les faits, c'est déjà l'enfer. Faut aller à la forêt de l'Est et tout. On a trouvé des biens hein, déjà. Vas-y, on va faire toutes les faits. Moi, je veux juste le manuel, hein. C'est bon. Donne-moi les faits. Où sont les faits? Where is the fae? Je sais pas comment on dit. Les 20 faits solus, voilà, bam. Je t'autorise à regarder les images. Oui, je veux bien m'autoriser à regarder les images. Oui, indeed. Il y en a un qu'on a faite. Donc la première fée, on l'a pas faite. Elle est là. Est-ce que j'ai vraiment pas fait ça? Dans le jardin de l'ouest au sud du sous-boss. Vas-y, on va faire ça. On va faire ça, ça va encore durer 15 plombes, j'en peux plus. Le jeu, il veut pas me arrêter. En plus, avec qui je vais partager ça après? C'est où qu'on descend, madame? Non. Non, pas là. Oh là là. Oh là là, je sais plus. Oh là là. Trop longtemps qu'on a joué. Comment qu'on monte? Oh, je sais plus. Nick, nick. Nick, nick, nick. Et il y a un moyen de passer par là. Pourquoi on ne peut pas passer par ici? Si, voilà. Mais pourquoi il me dit, c'est ici, je l'ai déjà fait. Oh non, mais en plus, c'est chiant comme la mort. Pourquoi il dit qu'il y en a deux à cet endroit? Je comprends pas. Bon, bref. On peut aller là, là? Non. Oh, je suis fatigué d'avance. Normalement, c'est juste à côté. Ils disent qu'il y en a deux, là. Mais normalement, on a les a faites, celle-ci. La dernière fois, on l'a fait, celle-là. Voilà. Celle-ci, on l'a faite. Pourquoi il dit la deux, c'est pas ça? La 2, c'est l'arbre. On l'a fait, l'arbre. Les bouts de stèle. On l'a fait, la stèle.
On a fait la plage. Pourquoi il c'est le 1 là, il est pas rentré. Ils disent que c'est le 1, mais je comprends pas. Ok, ça je l'ai pas fait celle-ci. Celle dans l'eau, on l'a déjà fait, je crois. Mais vous savez pas à quel point c'est chiant en fait votre jeu là. Est-ce que j'ai vraiment envie de finir le jeu comme ça? Non mais là en vrai, faut aller taper la dame en vrai. C'est le seul truc qu'ils veulent qu'on fasse. Il y a 20 trucs à récupérer. Oh là là. Bon, la grande bibliothèque, la bibliothèque. Moi je veux juste voir la bibliothèque, on verra après. Biblio. Dans la grande bibliothèque, au rez-de-chaussée. Faut juste être en bas. Je zoome hein, pour regarder un petit peu mieux. Ok. Bon, la grande bibliothèque, on peut la faire. Hein. Ah, mais le truc de la bibliothèque, c'est celui. Quoi? Non, c'est bon. Celui-là, le temple, on l'a fait. La grande bibliothèque, c'était au rez-de-chaussée. Ok. Bon, on va aller à la bibliothèque. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi nous infliger ça, s'il vous plaît? Il faut faire 20 faits pour avoir la dernière couverture. Mais nique! C'est où qu'on se téléporte déjà? Je sais plus. C'est quelque part là, non? Non, en fait, c'est chiant de se téléporter ici en plus. Oh là là, pourquoi je suis passé par là, moi? On se barre. On se barre. Gentiment, mais on se barre. On est passé par là. On va par là. Ah, mais là, il y a un truc à téléportation qu'on n'a jamais activé de notre vie. Non, c'est pas un truc à téléportation. C'est là-bas qu'est le truc avec. C'est bien parce que j'ai commencé le jeu que je vais finir, hein, parce que fatigue. Hein. Voilà. C'est juste parce que j'ai envie de finir le jeu et de me dire ça y est, c'est fini, au moins j'aurai pas besoin de revenir dessus. C'est où qu'on se téléporte déjà? C'est en haut là. Non? Bon, on va aller là. Voilà. La bibliothèque. Alors, la bibliothèque, c'est quoi déjà? Le truc ATP, il est où? La bibliothèque, c'est celui qui est à droite. Ok. Est-ce qu'il est accessible? What's a great question? J'y crois pas qu'on ait ouvert la porte et que ce soit vers la fin. Je plane. Tu vois, quand tu perds ta couverture, normalement tu perds avec la quatrième. Jamais juste la première. Et après, nick. Il faut trouver des faits, quoi. C'était vous le que je devais partager le. Non? Pourquoi vous me parlez alors? Au revoir. C'est là où il y a trop de lumière qu'il faut aller. Oh là là, mais il n'y a rien qui va en plus dans le monde. Oh. Voilà, donc c'est celui-là. Haut gauche, bas gauche, haut droite, haut gauche, haut droite, haut gauche, bas droite, bas gauche. Haut, gauche, bas. Voilà, je me suis trompé. Haut, gauche, bas, gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, haut, gauche, bas, droite, bas, gauche, haut, gauche, bas, gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite, bas, gauche. Bas, droite.
C'est même pas ça. Mais Nick. C'est pas le bon? Si, c'est ça en plus. Le tapis rouge, voilà, je suis sur le tapis rouge. Haut, gauche, bas, gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, haut, gauche, bas, droite, bas, gauche, haut, gauche, bas, gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite, bas, gauche, bas, droite. Ok, merci. Ok, merci. Il y avait quoi d'autre à faire? La forêt et la forteresse. On va faire les deux. Hein. Dans la forteresse de l'Est, au milieu des bougies. Entre la séquence. Ah, les bougies, ça a l'air simple. Allez, on va aller faire ça. Déjà, on va faire toutes celles qui sont écrites. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr de les avoir fait. Je savais même pas qu'on pouvait passer sous la table. Incroyable. Alors, la forteresse, je pense qu'on peut y avoir accès. Forteresse. Non, on n'y a pas accès. Pas directement, en tout cas. Si, sanctuaire de l'Est, bien sûr. Bon, allez, en haut. Il faut aller au niveau des bougies. C'est tout en bas. Là où il n'y a plus personne. C'est là, hein. C'est là les bougies. Pourquoi lui il a pas de bougie lui, au milieu. Bon, bah on se met là. Qu'est-ce que je te dis? Droite. Non, c'est du coup c'est droite. J'ai cliqué sur gauche. Droite, gauche, bas, droite, haut, gauche. Ah, c'est pas ces bougies là. Hein. Et quelle bougie? Celle-ci. Et logiquement, c'est là. Hein. Attendez, je regarde la photo. Logiquement, ça devrait être là. Hein. Ah, s'il fallait le faire avant. En plus, il y a les trucs de con ici, là. Oh. J'ai pas envie. J'ai pas envie de parler avec vous. Laissez-moi tranquille. Ah, c'est peut-être pas les bougies, c'est peut-être les bougies de l'intérieur, je sais pas, il y en a d'autres à l'intérieur, non? Non, ça ressemble pas à ça, c'est pas celle-ci. Ça doit être celle de l'intérieur, ok. Est-ce que c'est celle de ce côté-là? Non, c'est pas là non plus, donc ça doit être... Et je peux pas rentrer dans les murs là. C'est fini maintenant, je crois. Si... Ah non. Ah oui. D'accord. C'est là? Oui, c'est là. Ok. Là, on est censé remarquer quelque chose pour pouvoir le faire. Attendez, parce que. Je veux savoir où. Ah, j'ai sauté, je sais pas où. Ah oui, parce qu'elles sont 1, 2, 3. Ok. Ok. D'accord. C'est au niveau des bougies. Droite, gauche, bas. Droite ou gauche. Ça, ouais, on aurait pu le faire d'une traite dans le jeu, hein, en vrai.
Mais je sais pas si c'était déjà débloqué l'effet. Ok, forteresse c'est bon. La grande bibliothèque c'est bon. Forêt de l'Est maintenant. Alors, la forêt, c'est le truc qui est bloqué, mais je sais pas si c'est le... Reposez-vous dans la vieille maison pour passer la nuit. Entrez dans la zone de téléporteur et prenez le téléporteur en direction de la forêt de l'Est. D'accord? Grimpez, partagez vers l'eau, partez vers l'ouest et utilisez les lauriers du héros pour grimper sur les piliers jusqu'au niveau supérieur. Observez les mouvements du fantôme et entrez. Ah, c'est le mouvement du fantôme! Mais quel enfer, on l'avait vu celui-là. Et c'était le déplacement du fantôme. Mais what? What? Non, mais parce que là, c'est abusé. Comment dire? J'accepte pas du tout. Les déplacements du fantôme. Donc là, clairement, on pouvait pas faire l'effet avant. Parce que quand il y a les fantômes, c'est pas maintenant. Hein. C'est pas dès le début. La forêt, c'est là-bas, je crois. Oh, je suis choqué. Alors, je sais plus, mais je crois que c'est qu'il est juste au-dessus, là, le fantôme qui en a besoin. Il est par là. Pas par là, Jean. Oui, c'est ça. Nick. Nick de ouf, hein. Incroyable. Haut, bas, haut, bas, gauche, droite, bas, gauche, haut, droit. C'est abusé. C'est totalement abusé. Non mais... Wow. Ça c'était la 13e, on va commencer par en bas. Hein. Placez-vous à côté de la fontaine sud de la vieille maison et entrez la séquence suivante. La fontaine. Ok. Bon bah c'est parti. Hein. On va récupérer toutes les fées. J'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc en fait, ouais, c'est ça. Il faut finir le manuel. Pour finir le manuel, il faut que ce soit toutes les fées. Tout simplement. C'est là, hein, le village, je crois. La vieille maison. Donc, le sud de la vieille maison, ça devrait être quelque part là. La fontaine au sud de la vieille maison. En bas? Oui, c'est en bas. Oh là là, je suis remonté. Non, mais c'est pas possible. Ok. C'est ici. Maintenant. Alors, le dessin, c'est pareil, c'est par terre, là, les dalles. Bas, gauche, bas,
haut, droite, bas. Je n'ai pas fait bas, bien sûr. Bas, donc bas, gauche, gauche, bas, haut, droite, bas. Attendez, je me mets là. Bas, gauche, gauche, bas, haut, droite, bas. Ok. Celle-ci, c'était laquelle d'ailleurs? D'accord, c'était bien celle qui était à la fin. Ok. Donc, prenez le passage sous le pont au sud du monde supérieur. Il y a un monde invisible, c'est où? Ah, d'accord, ok, c'est juste à côté. C'est très bien. Alors le pont, normalement, il est juste ici. Mais non, c'est pas exactement celui-là, c'est celui d'à côté. Voilà, ici. Voilà. Tu peux t'arrêter de marcher, hein. C'est un monde invisible. Donc là, il y avait une séquence à faire, qui est haut, gauche, bas, gauche, haut, droite, bas, droite, haut, droite, bas, gauche, haut, gauche, haut. Faut que je fasse tout le chemin, hein. Mais je l'ai déjà trouvé. Nick! Is that Sirius? Donc, haut, gauche, bas, gauche, haut, droite, bas, droite, haut, droite, bas, gauche, haut, gauche, haut. Ah bah non, c'était pas exactement au même endroit. Allez, on se barre. Quel enfer. Il y a 20 faits, hein, comme ça. Hein. C'est pour ça que je veux même pas essayer de m'amuser à faire autre chose. Donc là, c'est au sud du clocher. Ok, le clocher c'est juste au-dessus, je crois. Au sud du clocher, c'est là, là. Là, on est à peu près au sud du clocher. Il me semble. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Voilà, le sud du clocher. Oui, c'est ça. Haut, droite. Ah, donc, j'ai pas fait une droite. Donc, haut, droite, haut, gauche, bas, gauche. Haut, gauche, haut, droite, bas, droite, bas, droite. Haut, gauche, haut, droite, bas, droite et bas. Alors là, c'était le dessin sur le mur. Chose que, bien entendu, tout le monde avait repéré. Ok. Il y a un passage secret sous la statue au sud de la vieille maison. Ça, j'ai même pas vu. Alors attendez, parce que le passage secret sous la vieille statue, c'est possible. Hein. Sous la vieille statue. Oui, c'est ça. C'est là. Ça, je crois qu'on l'avait vu, le passage secret ici, juste en dessous, là. Non? Oui, c'est ça. C'est juste en dessous. On était tombé sans faire exprès dedans. Avec nos recherches impétueuses. Là, là. Non? Sous la vieille statue de la vieille maison, lancer une bombe pour trouver un passage secret. J'ai des bombes, moi? Ouais. Ah! Donc on l'avait pas trouvé. Loul! À l'intérieur se trouve un cube doré qui bouge. Donc il faut faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Alors voilà. En fait, il faut suivre ces mouvements. 12 seconds later. Bon, apparemment, on a été coupé.
Vous avez pas vu la mort Ah, vous avez été coupé à un moment. Oh non, mais attendez. Ah ouais, ça date, hein. Alors attendez. Le cube, on l'a fait depuis un moment maintenant. Bonjour, du coup. 3 days later. Bonjour. Nous avons été coupés pour la 6 millionième fois. Alors, est-ce que nous sommes en live? Est-ce que je vais vérifier again? Mais je l'ai vu tout à l'heure. On a été recoupé, quoi. Je suis un peu compliqué de vous définir ma situation actuelle. C'est la 8e fois où il y a un cut. Merci, la connexion qui, à son égard, est bonne en fait. Donc, je regarde. Je pense que c'est la distribution là. Est-ce que ça fonctionne? Bon, alors, déjà, si l'application Twitch veut bien fonctionner aussi. J'ai enlevé la cam. Voilà, je suis actuellement en live. Donc, j'étais en train de vous dire. Alors, attendez, parce que ça tourne dans le vide. Du coup, je ne sais pas si vous me voyez. Je vais dire que vous me voyez. Mais je vais changer la qualité parce que je comprends pas du coup ce qu'il est en train de me faire. Non mais s'il te plaît, l'application Twitch là, ce serait bien d'avoir un petit retour. Non mais il me dit Nick. Il me dit Nick. Que vous avez loupé des trucs en fait. Et à cause de la coupure. Donc on va checker vite fait si déjà tout est bon. Oui, tout est bon, merci. Ensuite, faut que j'aille juste vite fait vérifier. Ah, il n'y avait pas 12 bis. 12 bis c'est barré. Alors attendez, parce que. Oh. Si 12 bis c'est barré, il n'y a rien qui va. Il a dû se barrer à la première coupure. Hein. Lol. Je le remets. On va voir si ça va fonctionner. Normalement 12 bis c'est là sans être là, donc on va voir. C'est possible que ça ne fonctionne pas. Bon bah voilà, rien qui fonctionne. Alors que tout fonctionnait de jeudi, ça signifie que soit j'ai une connexion de fibre qui est bonne mais pas efficace ou pas configurée bien, soit il y a un problème avec Twitch actuellement, ce qui est possible parce que j'ai vu des gens qui devaient être en stream, qui n'étaient pas en stream, enfin bref. Donc on verra après. Si vous avez loupé du coup l'effet, parce qu'on va faire l'effet, c'est ce que j'expliquais avec le cube d'or, c'est à cet endroit-là où apparemment ça cut. Donc je reviens à chose que j'avais du coup prévue pour vous, les 20 faits. Et donc on avait fait. Alors je vous explique. On a fait on a fait deux trucs. On a fait sous la statue, il y avait un passage. Ça, je suis désolé, je peux pas vous le montrer. Il y avait un monsieur, il y avait une sorte de monsieur qui faisait du disco avec ses pieds et qui nous donnait, enfin voilà, je sais, un méchant qui nous donnait du coup le chemin derrière la cascade, pas trop loin du temple. Donc voilà, là on est en train de chercher la statue qui donne nord, sud, est, ouest, dans le coin là,
Tiens, c'est bien, il y a l'ordinateur qui commence à ramer. Nick, 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 nick. Regardez-moi ce... Qu'est-ce qui se passe? À cause de stream de 12 bis, parce qu'il est pas là? C'est pas grave, hein. Alors, je sais pas où est la statue, je me rappelle plus. Attendez, je vais regarder la map. Ah, c'est juste au-dessus, d'accord. Oh, on peut... Non, peut-être... Non, pas. Ok. Faut aller vers la forêt, donc... Attendez, je vais regarder la map. Ah oui, il faut quand même bien s'avancer dans la forêt pour pouvoir trouver ce truc-là. Le jeu, il commence à rame. C'est un des, c'est un petit... Il y a tout qui m'embête, hein. Voilà, c'est ici. Donc là, j'imagine, c'est les arbres, les arbustes, qui vont nous aider. Donc, gauche, droite, bas, haut, bas, droite, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, bas, droite et gauche. Pas ici? Il faut que je coupe les trucs avant. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. Faut compter les trucs. Voilà. Alors, on se met là. Gauche, droite, bas, haut, bas, droite, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, bas. Oh, j'ai fait gauche au lieu de droite, super. C'est pas du tout long déjà. Gauche, droite, bas, haut, bas, droite, gauche, haut, droite, bas, gauche. Haut, bas, droite, gauche. Donc, ça c'est bon. Il nous en reste trois. Là, on va avoir un petit problème parce que c'est pour ça que je suis parti de tout en bas de la solution pour pouvoir en trouver tous les autres parce que. On a, les plus simples, on les a fait en premier en fait. Pour moi. Donc là, c'est entrer dans le passage sous le pont au sud du monde supérieur. C'est ici que vous allez trouver le sablier qui ralentit le temps. Contre le mur, derrière le coffre, vous remarquez des traits. Ok, super. J'ai galéré en plus à trouver ce truc. Donc on va aller en haut au sud. On n'est pas au sud du tout. Pourquoi l'ordinateur il commence à galérer maintenant? C'est un petit délire aussi. Alors que ça devrait être plus simple. Hein. Alors, c'est pas ce sud-là, hein. C'est celui d'après. Mais c'est celui-là. Alors, je crois que c'est celui-là. On va checker la map, vite teuf. Parce que je crois qu'il n'y a que ce pont-là où il y a un truc rose. Ah non, il y a celui où il y a le cimetière aussi. Ah, c'est possible. Bon, faut patienter un peu pour télépé. Télépé. Et comment qu'on descendait ici? Je sais plus. Comment qu'on descend déjà? C'est là, hein?
Non, c'est pas du tout là en plus. C'était pas du tout ici. Super, je suis heureux. Repartons. C'est pas celui-là. Celui d'après, peut-être. Si, c'est celui-ci. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc là, il y a le dessin. Donc faut faire le dessin. Ok. Donc le dessin, c'est droite, haut, gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, haut. Ah, j'avais fait deux hauts. Mince. Je recommence. Droite, haut, gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite, bas, gauche, bas, droite. Ok. Donc maintenant, je me rappelle qu'il y avait. D'accord, super. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit bonne chance pour les fées à cet endroit-là. Hein. Donc j'imagine qu'il devait y avoir une fée. On avait fait beaucoup de choses. Donc là, je suppose qu'il faudra se rappeler du chemin. Ah, merci. Ok. Un passage s'ouvre et vous vous retrouvez face à une tour escaladée jusqu'au sommet. Et ensuite, vous faites bah, votre chemin. Donc, gauche, haut, droite, bas, droite, haut, droite, haut, gauche, 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 haut. Ah, j'ai fait l'inverse, mince, purée. Donc, gauche, haut, droite, bas, droite. Haut, droite, haut, gauche, 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 haut, droite, haut. Ok. Les dernières vont être compliquées, hein, des faits. Ouais, il en reste deux. Dans la vieille maison. Ah là là, la maison, c'était sûr qu'il y avait un truc dans la maison. Bon, on va voir comment finit le jeu, hein, parce que. Apparemment, c'était pas tout de. de trouver la dernière page. Quand tu veux le jeu. Merci. Alors la maison, elle est là. Alors, on peut avoir l'accès. Non. Elle est juste au-dessus. Merci. C'est marrant parce que je l'avais essayé celle-ci. Ah mais on l'a trouvé, non? Non, c'est pas ça. Haut, droite. Donc non, c'est pas ça déjà. Haut, droite, bas, bas, droite. Haut, droite, bas, bas, bas. Donc oui, c'était pour les fées, c'était les doubles. À chaque fois qu'il y a une séparation, c'est qu'il y a un double. Ok. Bon, on arrive à la fin. Je vais juste aller aux toilettes et il nous en reste qu'une. Donc à tout de suite.
Après toutes ces coupures, une petite pause, c'est pas grave, non? Voilà quoi. Je vous laisse avec la musique du jeu, j'arrive. Re. Bon bah c'est, on continue hein, j'ai envie de dire. Bim 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 bim, je me mets en place, voilà. Normalement la fée 12 devrait être la bonne. Alors du coup c'est quoi qu'ils disent? Donc la 12 on l'a faite. La montagne on l'a faite. La forteresse de l'Est, on l'a faite. Au rez-de-chaussée de la grande bibliothèque, on l'a faite. On l'a faite? Oui. Dans le temple scellé, on l'a fait. Placé derrière la cascade à l'ouest du temple scellé, on l'a fait. Et donc celle qui manque, c'est celle qui est... Bah celle-là, je l'ai faite. Donc c'est celle qui manque, c'est celle qui est entrée sous le pont sud-est du monde supérieur. J'allais voir. J'allais voir une lumière se refléter sur le mur. Ah oui, celle-ci on l'a pas faite. En utilisant sablier pour ralentir le temps, voir la sélection, vous serez en mesure de reconstituer la séquence. Ok. C'est le pont du sud-est. Ok. Et on aura fini. Donc c'est du 100% ça. Comment dire? Ok, c'est tout en bas. Tout en bas de ça. Descends, descends, descends. Descends, descends. C'était là où on était tout à l'heure en fait. Bim, bim, bim. Non. Non, non. Non, toujours pas. Oui, peut-être. Un jour. Voilà, ici. C'est là. Et en dessous de ça. Donc, comment on fait pour descendre? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je sais plus si c'est passé par là. Ouais, si, c'est là. Faut descendre là. Bili bili. Et hop. Et là, on y est. Voilà, et donc du coup là il faut ralentir le temps, donc ça aussi c'est un truc où fallait trouver le truc de ralentissement du temps. On va checker pour voir ce que ça donne. Et la réponse c'était bas, droite, haut, droite, bas, gauche,
bas, droite, bas, gauche, haut, gauche, bas. Très compliqué, moi, je trouve, pour pouvoir la comprendre, celui-là. Et ça vibre. Hein. Et voilà, on a fait les 100. Super. On a fait les 100%. Heureux. Et du coup, on doit aller retourner voir les effets. J'imagine. À la fin. Mais en fait, je comprends le principe de. On est un peu satisfait du truc. Mais. Complexe quand même. Hein. Ça pour ça. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ah, c'est par là. Les faits, elles sont. Quelque part dans le coin, je sais plus où. C'est pas dedans ça? C'est pas dans ce truc-là? Non, parce que là, c'est pas le marchand ici. C'est plus bas, je crois. Oui, c'est le marchand, mais qui ne nous vend plus rien. Il a décidé d'abandonner notre marchand. C'est en bas, hein, je pense. Quels sont les faits déjà? Pas ici. Où sont les faits? Je sais plus où elles sont. On y est allé direct tout à l'heure. Où sont les faits? Je sais plus où sont les faits, moi. Et tout à l'heure, on y est allé tranquillement. Ah, c'est pas derrière la cascade, genre. Une histoire comme ça. C'est possible, je sais plus. Par là? Non. En bas, là? Non, ça c'est le trophée, je crois. Ça, c'est la pièce des trophées. On pourra y accéder. Donc, ça, on s'en fiche. Nous, on va pas faire ça. Nous, on voulait juste finir le chemin doré, mais. Voilà. C'est peut-être là-haut. Ouais, c'est cette cascade-là, je crois. Ben voilà. Bonjour, les fées. Donc j'imagine que ça c'est le trophée de la fin. C'est le trophée de la fin. On a fait le 100% de fées. Et du coup ça n'a rien à voir avec le fait de récupérer toutes les pages. Bon bah on va commencer. On va finir le jeu sur le fait que. Voilà. J'ai rien compris de bout en bout. Ah, il y a le petit succès en passant. Je vais regarder les succès après. Je vous dirai du coup ce qu'il y a eu comme succès parce que on les entend mais on les voit pas. Oh non mais c'est un petit compliqué de jeu quand même pour éviter de taper la personne. Et là il y a les trophées. Alors du coup est-ce que c'est un trophée trophée? Oui c'est un trophée trophée. Et du coup c'est censé faire quoi dans mon truc? Pas grand chose. Donc j'ai fait l'itinéraire B, qui est de faire tout ça. Ça. Avoir toutes les pages du coup. Maintenant je peux tout traduire si j'ai envie. Et je peux faire. Je peux encore faire le combat, je pense. Bon bah c'était cool. C'était cool.
Bon, c'était sympa. Je vais pas dire forcément cool. C'était sympa comme jeu. On va checker juste si on... y a un New Game Plus, mais j'y crois pas. Du tout. J'ai deux trophées et je n'ai pas envie d'en avoir plus. Merci. Voilà, donc il y a des trucs qui ont changé. Non, pas du tout. Je vais regarder du coup les trucs qu'on a eu en succès. Je sais pas ce qui qu'est-ce que j'ai eu en succès. Je sais même plus là, avec l'histoire de leur truc là, c'est où que c'est rangé. Non mais je veux quand même voir hein, en fait. Hein. Non parce que là ça charge, je veux bien, mais ça prend 15 ans votre truc. Je peux pas voir les succès du jeu? Genre afficher les détails, ça dit pas? Non mais là il est en galère, mais tu... Qu'est-ce qui se passe? Oh leur ordinateur qui rame. Quel enfer, tout ça à cause du Game Pass. Ich. Le jeu, il veut plus. Allez, on quitte le jeu. Je vous dis ça en dehors du jeu. Je soupçonne de s'être lancé en connexion, ce truc, alors que je les télécharge. Hein. Je précise, comme ça. Bon, il y avait des trucs qui étaient cool. D'autres qui l'étaient un peu moins. Je trouve que le gameplay est cool. L'idée de faire de la recherche, c'est pas mal. Mais faut juste pas abuser, et j'arrive même pas à voir mes succès, donc je suis heureux. C'est où? C'est où que c'est que c'est? Parce que si je veux vous parler un peu des succès, ouais, voilà, merci Tunic. Oh, ça a pris du temps, hein, fallait juste que je quitte le jeu. Voilà, merci. Alors du coup, j'ai trouvé le secret numéro 7, avec la fleur. Il y a 98% des joueurs qui ont déverrouillé ça. Et j'ai complété le manuel. Et ils m'ont remercié d'avoir fait ça. Et on n'est que 3%. Il n'y a pas grand monde qui joue en fait au jeu. Attendez, quel est le premier succès que j'ai déverrouillé? Succès nul. Le bâton. Il y a 77% des gens qui ont joué jusqu'au bâton. Ce qui veut dire qu'ils ont commencé le jeu. Ah ouais. Et il y a 20% qui sont arrêtés au moment où on a résurrecté. Ok. On a trouvé une épée. Il y a 38% seulement qui ont trouvé une épée. Ok. Ah ouais. Et qui ont fait le clocher, il y a 31%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui s'arrêtent dès le début à cause du style du jeu. Peut-être parce qu'il n'y a pas de compréhension, qu'il faut trouver le manuel et tout. C'est possible, hein. Ok, alors si vous voulez, je peux vous montrer en exclusivité le prochain jeu. On va peut-être voir le début. Histoire 2. Alors je vais enlever Tunique, du coup, parce que j'ai fini. Hop. Je vais enlever ça. Katamari, ça va, on peut s'arrêter. Je pense. Je vais faire capturer une nouvelle fenêtre. Et on va tester le jeu pour voir. Alors là, vous voyez, du coup, voilà. Et le prochain jeu, ça va être ça. Afficher les détails. Donc, c'est Tunip Boy Commit Tax Evasion. Ça a l'air intéressant. Le titre m'a sonné intéressant. Donc, voilà. Les détails, est-ce qu'on a la petite description? Bon, après, c'est très beau. On va s'amuser, je pense. Très joli. Un peu du Omori style. Je ne sais pas si on aura le temps de finir de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Turnip, donc, qu'est-ce que c'est? Incarner un adorable navet anti-système incapable de payer votre taxe d'habitation. Vous vous retrouvez expulsé de chez vous et vous devez travailler pour rembourser votre dette auprès du maire Oignon.
Équipez-vous d'outils de jardinage pour résoudre des énigmes, rencontrer des fruits. Ah non, il y a énigmes. Oh. Rencontrer des fruits et les légumes truculents et affronter des terribles animaux sauvages. Découvrez quel mal ronge le jardin, manger 5 fruits et légumes par jour et renverser une administration corrompue. C'est tout à fait le genre de jeu qu'il faut jouer dans Chipstream, je crois.